quand même. Ça c'est Botakoa. On va aller chercher ce qui est vivant là. Ils sont un peu chez nous. Ah, tu crois que Nekmikano, vous prenez dans ces pièces là pour vous. Elle dit depuis que nous avons commencé avec Nekmikano, c'est pour. Et Nekmikano, vous pouvez lire. Vous voyez ça, Mdjoula? Nekmikano, vous pouvez lire. Les noirs dans va, chant va et nous. Depuis que Nekmikano est dans, vous pouvez chaper. J'aime passer même. Elle dit qu'on s'allie. Actuellement, là, chaque abdé descend là. Il faut tirer parce que nous ne pouvons pas être préparés là. Parce qu'il est victime, même si on n'est pas monde capable de victime. Donc, son incident qui passait, nous regrettons, nous le déplorons, pendant nous demandons à la police autour pour agir avec le professionnalisme. Donc, et Sinapoa, pendant la police pour agir avec professionnalisme, pour agir dans le respect de la loi, mais pour connaître tout, pour avoir des services. Service là, c'est pas avec l'autorité de l'État seulement, mais service là, c'est la population. Donc, un policier n'est pas capable d'afficher un comportement, non capable de dire de militants qui pourra faire la population, ouais, qui va supporter un gouvernement, un homme politique. Mais leur policier, même si avec journaliste, ou là pour faire équilibre et ou là pour agir selon normes que la loi lui-même lui mettait en place. Donc, on nous pas mettre en face nous tout le monde dans la façon que nous avons agi. Comme ça, on nous évite campagne de dénigrement, campagne de déstabilisation, ça a nous ouais, qui a fait dans les médias, qui a fait sur les réseaux sociaux contre les policiers, contre l'institution. L'institution, c'est l'institution de l'État. Moi-même, comme policier, je dois demain si je veux me révoquer pendant l'institution encore. Je dois faire abandon pendant l'institution encore. Je dois voyager, c'est des hommes, et je retire dans l'institution. Mais moi, j'étais au monde. Moi, j'étais un citoyen, donc quel que soit côté mien, la constitution haïtienne exige que je donne service à un monde qui n'a nécessité, quel que soit statut, mon ça, il est capable de gagner. Donc, en nous ensemble, je dis à ce n'est pas seulement moi-même, comme porte-parole Sinapoa, comme policier, qui a demandé population pour le travail avec la police là, parce que c'est même nous-mêmes encore, et nous-mêmes journalistes. On nous aide à faire campagne ça contre mauvaise campagne qui a fait, contre campagne de déstabilisation, campagne de dénigrement qui a fait. On nous fait travail ça ensemble pour nous demander policiers exécuter travail dans le professionnalisme. Pendant tout, nous avons demandé à l'État central, nous avons demandé à l'autorité et dans plus haut niveau dans la police là, pour bailler à policiers. Il y a un moyen, ou bien un moyen matériel qui est approprié pour nous faire face à la situation, à la forme de sécurité, la forme de gangstérisation que nous avons là, je dis. Donc, nous sommes capables de comprendre, des fois, un policier est capable dans une situation et lui commettre une bavure, c'est par manque de moyens. S'il te gagne un moyen qui te proportionne la situation, et bien, un incident regrettable qui passe, tu ne dois pas passer. Comme ça, il faut que nous levions nous ensemble, même gens avec la police, les médias, monde de la population, exiger de l'autorité centrale et
disposition avec moyens et matériel approprié pour nous capables de travailler. Les policiers ont dit qu'on est mission, ils font ça, ils forment pour la population en travail, pour la population en service, pour le travail. Mais par rapport à une situation dans telle zone, s'ils n'ont pas un moyen pour y intervenir, eh bien, ils n'ont toujours pas capable de faire ce service-là. Parce que, premièrement, moi, je m'apprends ça dans le centre comme policier. Pour me protéger, il faut peut-être me protéger d'abord. Pour me capable de mesurer, pour m'aider, il faut que je sois dans une situation pour m'aider d'abord. Pour que pendant que je vais aider, ce n'est pas une action suicide que je vais faire. Pendant que nous ne pas ignorer que, comme policier, nous connaissons, nous faisons métier des armes, nous sommes capables de subir des actions pour nous perdre la vie. Mais nous exigeons des moyens qui sont appropriés pour nous capables de faire le travail. Enfin, on a exigé tout de l'autorité de la police pour présenter à la population des plans qui sont bien définis, des stratégies qui sont bien définies pour que la population sente qu'elle a travaillé. Donc, tout ça qui a fait tout, nous avons sorti suite à un mouvement de protestation, un mouvement de rue qui a gagné. Moi, je me suis dit que la population qui a indexé telle unité, qui a indexé telle autre unité. Donc, nous avons dit que la police, ça, c'est bien seul. C'est ensemble pour nous mettre, pendant qu'on a eu l'information, la presse a mieux traité l'information pour capable d'aider nos problèmes. Mais nous faisons, pour nous finir, nous faisons une remarque tout. Et il y a un journaliste que moi ouais sur les réseaux sociaux, moi ouais non li. Et puis moi ouais un commentaire, le monsieur est entré en contact avec lui et lui a fait me comprendre que c'est pas page li, c'est pas nol, c'est des individus mal intentionnés qui utilisent nol comme un journaliste qui connaît pour capable continuer avec campagne de déstabilisation ça. Ça fait nous comprendre que les réseaux gagnants sont puissants. Il y a un propre journaliste, il y a un propre média en ligne pour être capable de faire travail ça. Pendant ce temps, nous-mêmes, comme policiers, nous-mêmes, dans la population civile, nous connaissons, c'est nous-mêmes qui, là, comme journalistes, qui a fait travail là. Nous connaissons ça tout comme policiers, nous sommes sur le réseau, nous cherchons tout. Donc, c'est ça qui fait, nous allons continuer à prôner bonne relation, bon rapport entre la police et la presse, entre la population civile et la police. Et qui a permis que la population et les policiers, en pile monde dans la diaspora, tendaient et gardaient les conférences de presse. Et côté Sinapoa, parfois, moi, dans le premier point, a fixé la position, la compréhension de ce qui a passé dans la population aujourd'hui. Et nous saluons tout le monde qui, par rapport soit aux médias en ligne ou aux médias qui en direct qui attendent le matin. Nous saluons tous les policiers et policières, tout le monde qui est dans la population civile là, et qui est dans la diaspora. Tout. Policiers et conséquents, et policiers vaillants, policiers qui connaissent l'importance dans la société. Là, et nous avons une salutation spéciale pour eux. Gens que nous connaissons déjà, même journaliste qui a fait commentaire, qui a fait analyse, et nous dans la rue, depuis quelque temps, et la police là, lui fait objet de une série de critiques dans la population. Et critiques ça, nous entendons sur les réseaux sociaux. Critiques ça, au vini, soit par rapport à quelques actions regrettables dont le policier est capable de poser dans le cadre d'intervention, critique qui vient tout soit par rapport à un manque de service et que la population estime que la police n'a pas la police la manqué efficace dans le service que lui a bâillé. Ou bien tout, des fois, et critique ça a venu selon ça et il dit de et un policier qui a agi surtout par rapport à mouvement de rue qui gagne
ben yo dit que c'est la police là qui quimpe le pouvoir en place là. Eh bien, Sinapoa voulait dire par rapport à tout ça que nous lisons, ça nous tendait et ça nous vive. Sinapoa vini matin pour capable parler avec la population, hein? Il vini pour parler avec les policiers, et il vini pour parler avec tout le monde, soit qui a appelé sur les réseaux sociaux ou bien qui a réagi. Nous voulons dire aux policiers nous, que nous connaissons que chaque jour, ils sont menacés. Et par rapport à ça qui a dit, les policiers ont senti qu'ils sont menacés dans le travail. Ils ont senti qu'ils sont menacés dans la vie civile yo, lorsque ils ne sont pas en service. Ils ont senti qu'ils sont menacés sur les réseaux sociaux yo, pendant que déjà ils ont fait un travail qui est difficile. Un travail qui est compliqué. Le nous dit difficile et compliqué. Les policiers allés dans la rue, ils viennent pour protéger la tête libre, pour la mesure pour le service, ils viennent pour protéger la population civile là, tout qui a fait passer les revendications, ils viennent pour protéger les institutions de l'État, ils viennent pour protéger les biens privés et publics, ils viennent pour protéger les journalistes là, tout qui bon côté qui travaille et qui là pour travailler en collaboration avec nous. Ça veut dire nous connaissons que le travail policier est difficile. Pendant que nous connaissons le difficile, le moment ça ajoute, lorsqu'on parle avec un policier, il sentit que il est menacé. Eh bien, Sinapoa a profité de la conférence de presse pour parler avec la population. Pour dire population en tout que la police là c'est la police parle. La police là il sorti dans un trail, il sorti dans matrice. Nous voulons dire matin que police là que nous gagnons c'est police population et population c'est population la police là tout parce que nous même qui c'est policiers nous gagnons une vie civile, nous gagnons un statut civil lorsque nous pas en service. Eh bien, là nous finissons le travail, nous prenons la caille, c'est camionnette nous prend, c'est motocyclette nous prend, c'est bus nous prend. Ça veut dire nous-mêmes encore, c'est petit monde qui est dans la population. Ça veut dire nous sommes dans la population comme policiers. Et la police a été créée, ces populations qui étaient modèles. Ça veut dire population, c'est nous-mêmes, c'est pour nous. Et nous-mêmes comme policiers, c'est policiers, population tout. Donc, Sinapoa li profite dit que la police là li pas ennemi population. La police là pas joué rôle militant. C'est population qui demande police là. Police a sorti dans un travail population et eh bien population li condamné pour le travail et en parfaite collaboration avec la police là. Donc, une action regrettable, soit de un policier envers un membre de la population ou bien envers un journaliste, on vient dire une action, un incident regrettable, pas capable de mettre toute population envers la police, là, envers l'institution. Nous connaissons dans toute institution, dans toute structure organisée, capable de gagner un pourcentage faible, un minimum de membres institution ça qui capable poser soit des actions malhonnêtes ou nous capable dire des bavures. Nous connaissons des bavures policières, nos bavures policières pas capable de mettre toute institution face à la police, pas capable de mettre toute population face à la police. Le fait que nous parlons de bavures policières, nous avons profité de demander à policiers nous tout dans l'intervention que nous avons fait, dans le travail que nous avons fait, pour agir avec plus professionnalisme, pour agir sous couverture la loi, parce que c'est des gens qui sont là pour aider et faire respecter la loi, mais là, nous avons agi tout pour agir en bas couverture la loi. Donc, tout policier doit montrer sens professionnalisme dans ça que nous avons fait. Parce que nous n'avons pas gagné ennemi. Nous travaillons avec tout le monde, nous travaillons pour tout le monde dans l'exercice et mission. Donc, nous voulons dire à la population en matin,
La police, c'est la police pâle. Nous voulons dire la police, la population, c'est eux-mêmes encore. Donc, nous, c'est eux seuls, nous condamnés pour notre travail ensemble. C'est les mêmes gens, nous avons parlé de population, nous avons parlé de journalistes. Tout. Donc, les policiers jouent le rôle de journalistes. Parce que la police fonctionne sous base d'informations. Et ces informations que nous pouvons gérer, nous pouvons traiter pour être capable de faire de meilleures interventions pendant la utiliser différentes stratégies pour le bail résultat dans l'accomplissement de la mission. Et bien, ce travail journaliste, tout c'est collecte d'informations, les traiter pour faire la population comprendre, pour aider à comprendre et partager l'information tout avec la police, parce que journaliste dans la population tout, pour que la police soit capable de faire le travail. Donc, je nous constate sur les réseaux sociaux, je nous constate sur une série de médias qui ont des journalistes qui ont fait des citations à la violence contre les policiers. Il y a des gens sur les réseaux sociaux qui ont demandé pour attaquer les policiers, pour attaquer les institutions. Donc, nous voulons dire que c'est un seul incident regrettable, pas capable de mettre toute la population en face des institutions, en face des policiers. Nous disons ça pour la population civile là, nous disons tout pour les journalistes. Pendant nous avons une pensée spéciale pour les journalistes qui étaient subis et côté Bobon Gaza qui était tombé dans le visage de Liberty Chili. Ce sont des journalistes que nous connaissons très bien, nous habitués à parler, nous habitués à réagir dans l'émission. Donc nous qualifions c'est un incident regrettable qui n'a pas dû arriver là. Donc moi dis, même j'en ai pas dans la population capable. T'es capable de victime comme ça. Donc, journaliste, ça doit trouver tout le moment, non en droit. Et avocat Sina pour avis sûr, sur une note qui date 15 février 2024 de Bao et de Cap-Haïtien. Note ça a demandé pour que aucun avocat et du Bao de Cap-Haïtien pas assisté devant le tribunal. Pas assisté par des bandes policiers qui étaient dans l'altercation avec le commissaire du gouvernement de Cap-Haïtien, Maître Charles et Edouard Durand. Et en tant qu'avocat, avocat bordé par le prince, n'a pas rappelé que un commissaire ou bien Bao et Cap-Haïtien, que notre ça est complètement en contradiction avec décret 79 là, régissant la profession d'avocat. Il faut rappeler au barreau de Cap-Haïtien, aux confrères avocats et de Cap-Haïtien, que conformément à l'article 2 du décret ça, la profession d'avocat, elle est libérale et indépendante. C'est-à-dire, barreau, il y a un contrôle de handicap de faire surveillance sous discipline comportement avocat yo, mais pas gagner pour imposer yo ça. Si un avocat a choisi à le défendre policier yo, et que pour Baroua lui même lui dit que yo pas gagner ça. Donc ça veut dire que et Baroua Cap-Haïtien dit t'as censé vouloir retirer ouais indépendance et qui gagne dans quatre exercices profession d'avocat. Pour aller plus loin, on dit que policier yo pas même gen moyen pour te payer service son cabinet pour défendre yo. C'est les barreaux même qui devraient choisir des avocats, mettez yo à disposition et de policiers ça. C'est vrai que n'a condamné, il faut le dire, comportement policier yo, bien sûr. Nous pas fait encourager policier agir et dans ce sens ça. Mais cependant, moi je ne peux pas en aucun cas que Bao Cap-Haïtien lui retire droit policier ou gagner pour gagner avocat pour assister. Et c'est pourquoi nous, comme avocat et avocat sans droit, nous sommes disponibles pour policier ça. Nous sommes disponibles pour nous rendre au Cap-Haïtien ou normalement devant le tribunal au Cap-Haïtien pour défendre. Parce que nous connaissons que c'est un droit sacré. Les policiers ils ont droit à un avocat, tout comme n'importe criminel nos droits. Que c'est Iso Matien qui parle pour ma vocale. Quand dit Iso, mon cher, comme moi, mon café pour mon défense de la monde, je ne suis pas un avocat, non? Mais n'importe quel avocat choisi à défendre Iso, je ne suis pas un critique. Ouais, qu'il soit civil, l'homme,
n'importe qui est non comme criminel notoire, il a droit à un avocat, donc son droit fondamental que lui. Donc dans ce contexte, nous ne voulons pas que les barreaux capaïtiens les retirent droit policiers et pour jeunes avocats pour les défendre. Donc c'est vrai que nous disons déjà, nous critiquons le comportement ça, nous pas souhaité qu'il le répète, mais cependant, la note du barreau de capaïtien alimente la division. La police est l'auxiliaire de la justice. Donc du coup, il n'y a pas qu'à fonctionner sans l'autre hasard. Donc, c'est-à-dire que qui est-ce qui a mené un prévenu bien détenu al devant tribunal ou attendre pour juger la police? Est-ce que le commissaire gouvernement bien juge yo, capable de rendre personnellement dans les prisons hein, pour aller prendre un prévenu bien détenu pour attendre? Non, c'est la police comme auxiliaire de la justice qui est placée pour juger ça, pour mener détenu, prévenu al devant tribunal. Donc, c'est-à-dire que je pense que le barreau de Capaïsi n'a pas trop bien réfléchi. Yo prend note, je pense à la va-vite. Mandé pour ressaisir yo en tant que confrère avocat que je respecte pour ressaisir yo pour repenser notre pays au grand pour que nous ta capable yon l'autre dénouement dans question ça même ta plus souhaité que son bagage qui je nous entente là-dedans et que le commissaire a rendu compte que quelque part te bon il était gagné un comportement qui était capable tout pas trop correct parce que il y a cette tendance à savoir dans pays là lorsque nous connaissons aussi autorité anti gens arrogants. Vous voyez ça. Alors, pas dit ça qui arrive, non? Mais il y a une arrogance lorsque vous êtes son directeur général, ils sont ministres, ils sont commissaires gouvernement. Donc, il y a une arrogance. Et l'on fait la policière, ou censé, ou même en quelque sorte, et bien piétiner droit lui-même. Les cas sont-ils lésés, ils ont une réaction. Donc, moi, t'as souhaité que, qu'on entende plutôt, comme quoi le commissaire, le barreau de Cap-Haïtien, il y a des réunions qui sont faites avec la police, et que bagaille ça a. Il excuse de part et d'autre, nous traiter comme ça, pour que nous évitions la division. Ça. Ouais, la note du barreau de Cap-Haïtien alimente la division, et nous-mêmes, comme avocats, nous pensons que la division n'est pas au profit de la justice, ni au profit de la police. Donc, du coup, c'est pourquoi nous critiquons notre là, en même temps, nous critiquons le comportement policier. Merci.